Salut tout le monde, c'est Pixel, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte et le gameplay de Memoria Polis. Vous êtes en train de vous demander ce que c'est? Eh ben moi j'ai juste une chose à vous dire, prenez votre marteau et votre burin, votre petit tablier, accrochez-le et c'est parti, nous allons partir pour 2500 ans d'histoire, de l'Antiquité au siècle des Lumières. Nous allons devoir choisir notre culture, gérer nos ressources, affronter les événements historiques, construire des merveilles pour atteindre le statut de capitale des capitales et laisser notre empreinte dans l'histoire. C'est un jeu développé et édité par un studio indépendant, 5PM Studio. Il va être disponible demain, le 29 août 2024, sur Steam. Vous allez voir en description de vidéo le lien. Si ça vous intéresse, vous pouvez directement y aller ou aller directement sur Steam, taper Memoria Polis. Donc, j'ai reçu la clé en avance. Je remercie les développeurs. Voilà, merci beaucoup. Je remercie toute l'équipe de Memoria Polis. C'est formidable. Je suis en relation avec eux depuis plusieurs semaines. Et j'ai la chance de pouvoir vous le présenter. Donc, j'ai un petit paperboard. On va faire le tour. Donc, nous avons 4 âges créer notre ville. Ces 4 âges s'étendent sur 2500 ans d'histoire. Donc, nous allons devoir gérer les ressources, nous allons devoir gérer notre ville. Donc, on part de l'Antiquité, nous allons au Moyen-Âge, à la Renaissance et à l'âge des Lumières. La croissance des villes est organique, donc il n'y a pas de grille de construction sur la map. C'est vraiment à vous de gérer de A à Z votre construction. Et en gros, c'est le jeu qui va se déployer de manière organique vis-à-vis de vos choix. Les résidents définissent eux-mêmes des itinéraires à travers la ville au fur et à mesure qu'ils la découvrent, si vous préférez. Donc il y a 6 cultures qui représentent tous divers aspects de la gestion sociétale. Donc nous avons... cultures, nous avons la production, le militaire, la religion, l'éducation, le commercial, la politique. Donc vous allez voir, il y a quand même de la gestion assez poussée. Nous avons aussi de l'attraction stratégique au niveau de l'urbanisme. Donc beaucoup de jeux font ça. Ça veut dire que, imaginez, vous avez des bâtiments avec des gens qui y vivent, donc des bâtiments d'habitation. Si vous construisez une industrie à côté, elle risque d'avoir un rayon d'action néfaste autour d'elle qui peut dévaluer le terrain et aussi péter les noisettes aux gens qui habitent ici. Donc il va falloir faire gaffe là où on construit les bâtiments, à savoir que tous les bâtiments ont une influence. Donc on va voir ça au fur et à mesure. Bref, voilà, je suis très content. Très très content. Donc comme je vous dis, il sort le 29 août. Alors ce n'est pas une OP, mais on me permet de vous le présenter. Donc voilà, j'essaye de bien faire les choses. On va le découvrir. Et juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Bref, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater les futures vidéos si vous ne l'avez toujours pas fait. Vous pouvez rejoindre aussi en description de vidéo le Discord et la chaîne Twitch de la chaîne où il y a des lives le mercredi soir et le vendredi soir. Et bien écoutez, on va lancer le tutoriel. On va voir ce que ça va donner. En avant Guingamp. Alors, chapitre 1, un nouveau foyer. Cette petite terre inexplorée serait parfaite pour accueillir vos colons et vous-même. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour survivre, mais vous devez d'abord construire votre centre-ville qui marquera le début de votre règne. Information, introduction au bâtiment. Le centre-ville marque le début de chaque âge. En fonction de sa position géographique, il peut permettre un accès facilité à différentes ressources ou à une surface de construction. Alors, surface de construction plus large, c'est-à-dire que si on le construit, on pourra construire plus loin. Donc là, c'est un camp antique. Premier centre-ville, ceci est votre tout premier centre-ville. Sélectionnez-le et cliquez sur la carte pour lancer sa construction. Eh bien, écoutez... il faut qu'on le mette là. Et ben, il y a pas de souci, on va le mettre là. Construire. Boum. Donc il est ici. Il est magnifique. Il est beau. Donc on peut tourner la caméra avec le clic droit
clic gauche nous permet de sélectionner ce qu'il y a sur la map, la molette de dézoomer, zoomer, et si on clique sur la molette, en fait c'est un axe comme une rotule pour le tournage en fait, hein, sur un caméscope, c'est exactement pareil, qui nous permet de nous balader sur la map. Les citoyens préféreront s'installer dans des endroits attractifs que vous pouvez visualiser par plusieurs moyens. Si l'attraction est trop faible sur vos terres et que vos quartiers sont pleins, au lieu de construire de nouveaux logements, les citoyens arrêteront d'arriver au profit de vagabonds qui devront être intégrés à la société. Ça on avait vu. Suivant. La zone de sûreté. La zone de sûreté est une limitation circulaire autour de votre centre-ville. Donc là, hop, je clique dessus, on peut voir la zone de sûreté est là, elle est de 300 mètres. Sauf exception, il est interdit de construire au-delà. Vous pouvez augmenter sa taille en améliorant le centre-ville, c'est ce qu'il nous avait dit au début. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Donc visualisez l'attraction dans le filtre en haut de l'écran. Donc ça doit être ça. Ok, l'attraction est là. Haute tout autour, donc juste aux abords de ce petit centre-ville antique, hein, bien entendu, hein, c'est le tout début. Donc là, on peut voir qu'on a tous nos péons qui sont en train de marcher. Donc on peut construire ici. Et plus on s'éloigne, et moins on a d'attractions, et donc les gens vont... Enfin, il va y avoir des effets néfastes, si vous préférez. Ok, donc on doit construire une petite ferme, récolter 50 de nourriture. On peut voir qu'il y a une charrette. Oh, c'est formidable ça. C'est quoi ça? Quartier. D'accord, les gens sont en train de construire leur quartier. Alors, la production. Une petite ferme. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on est dans le tutoriel, mais moi, j'ai des astuces pour éviter de la famine et tout. J'ai des astuces données par les développeurs. Donc, on verra ça quand on sera sorti du tutoriel. Donc, pour le moment, je fais ce qu'ils me disent. Donc là, je vais mettre ma ferme ici. Construire. C'est fait. Donc là... On va la laisser se construire. Bien entendu, on a plusieurs vitesses de temps. Donc on a normal et accéléré et pause. Donc là, c'est en train de construire. Parfait. Oh là 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 là. Ça déconne zéro. Hein. 3, 4, 5. Parfait. Il nous faut construire un camp de coupe. Vous aurez besoin de diverses ressources afin d'élargir et maintenir votre ville. Le bois est l'une des ressources les plus utilisées en abondance à proximité. Un camp de coupe installé dans la forêt au sud-ouest de la ville vous donnerait accès à un grand nombre d'arbres. Eh bien écoutez, on va faire ça, comme ça on sera nickel. Hop, construire. Donc le camp de coupe est fait ici. Donc là c'est nickel, on a nos petites habitations ici, on a une ferme ici avec les pécores qui travaillent dedans, il n'y a pas de souci. Donc là je peux mettre en pause avec espace, ou autrement je peux passer le temps plus vite. Donc ça c'est nickel. On peut voir qu'on a des charrettes, je vois qu'il y a des gens ici, on va récolter du bois dans tous les cas, donc ça va être facile. Voilà, nickel. Amélioration du camp antique optimisé. Plusieurs cycles sont passés et vous avez désormais assez de citoyens et de ressources dans vos entrepôts pour améliorer votre centre-ville. Cette amélioration vous donnera accès à une plus grande surface de construction. Donc là, on va refaire une piqûre de rappel. Il faut savoir que nous avons donc une zone de sûreté. Si on améliore notre camp antique... Ben, on va avoir, bien entendu, la zone de sûreté qui va s'améliorer. Cliquez sur le bouton « Améliorer » ici. Alors, « Améliorer », c'est où? C'est ici, « Amélioration ». Ok. Donc, mise à niveau vers camp antique optimisé. Votre ville traverse les cycles et les citoyens sont organisés en différents quartiers. Chacun avec leur objectif, production de nourriture, de bois, création de bâtiments et entretien. Tout semble satisfait dans cette organisation. Donc là, on... Alors, ça fait quoi si on améliore? Ça nous dit pas ce qu'on va... Ah si, on gagne 50 mètres de plus. Ok, c'est tout. Par contre, on gagne que sa population est divisée en 3 catégories. D'accord, donc là, on est sur une seule catégorie. Et si on l'améliore, et on est obligé hein, dans tous les cas, on aura des citoyens, des travailleurs et des vagabonds. Et ça nous coûte 50 de bois et ça met 5 cycles pour se faire. Eh ben écoutez, on est parti. Ça, c'est bon. On améliore, on a les cycles hein, qui sont ici. Boum! Regardez, on a une palissade en bois tout autour. On dirait un pilum. Enfin, un pilum. Merde, comment ça s'appelait? C'est pas un pilum, c'est un.
je sais plus, les camps romains, comme ils s'appelaient. On dirait un camp romain. Ok, même si l'amélioration du centre-ville permet d'étendre la zone de sûreté, elle reste trop petite pour atteindre les montagnes et d'en récolter la pierre. Une cabane d'arpenteurs au nord de la ville nous permettra d'agrandir la zone de sûreté jusqu'aux montagnes. Ah bon ? Ouvrir l'arbre des bâtiments. Ok. C'est ça l'arbre de bâtiment ? Attendez. Alors, ouvrir l'arbre de bâtiment, ouvrir l'onglet proximité. Ah, c'est ça. Mais je peux pas l'ouvrir. Alors, l'attraction, tous les bâtiments et biomes produisent de l'attraction. On est en train d'apprendre le jeu, hein. Après on sera tranquille. Et j'aime bien faire ça parce que comme ça, vous avez vraiment le vrai ressenti. Contrairement à quelqu'un qui va aller super vite parce qu'il a déjà joué. Là, j'aime bien apprendre en même temps et on a les mêmes réflexions la plupart du temps que quand vous aurez le jeu. Tous les bâtiments et biomes produisent de l'attraction et des perturbations. Les citoyens viendront construire leur habitation à priorité là où l'attraction est la plus élevée. Donc ça veut dire vers ici en fait. Là, bien entendu, on a les vaches et tout, donc c'est un peu chiant. Quoique, là, ils vont peut-être pas trop s'étendre parce qu'avec l'abattage d'arbres, ça risque de les embêter. Par contre, ça ne veut pas, absolument pas... Alors attendez, pourquoi je ne peux pas construire ? Ouvrir l'arbre de... Ah oui, d'accord, c'est peut-être ça, non ? Ah oui, attendez. Camp de coupe ? Non, c'est... Y a, ah, voilà, ici, proximité. Ok, cabane d'arpenteur. C'est pas très clair, hein, par contre, là. Les bâtiments de proximité ont un effet... Regarde, je vous le montrer avant qu'on lise tout ça. C'est là, ça me dit d'aller dans l'arbre de bâtiment. Pour moi, un arbre de bâtiment, c'est là, hein, pour la construction. Là, pour moi, c'est un arbre de recherche. Mais bon, bref. Écoutez, c'est bon, on prend. Ça, on peut l'acheter avec... Alors, attendez... Avec des plans. Ils sont extrêmement importants à l'évolution de votre civilisation, car ils permettent de débloquer et d'améliorer diverses constructions. Ils sont créés par les bâtiments de production cabinets d'architectes. Ok, bah pour le moment, on en a que 100, donc... Et bon, on va les bousiller. Cabane d'arpenteur doit être placée en dehors des limitations habituelles fixées par la ville. Accepté. Bam. Donc maintenant, je l'ai là. Je fais ça, et je peux le mettre en dehors, lui. Et donc ça va me permettre de faire un bubon sur ma bulle. Là, regardez, ça fait un bubon pour pouvoir toucher la montagne. Construire. Hop. Parfait. Donc ça, c'est nickel. Débloquer le bâtiment de production, petite carrière, construisez petite carrière, récolter 50 pierres. Une partie de la montagne est enfin accessible. Eh bien, écoutez, production, normalement, est-ce que je dois débloquer la carrière ? Oui. Par contre, c'est 100 balles encore. On en gagne, hein. Je pense que vu que c'est le tutoriel, il nous les donne à chaque fois. Voilà, on est à zéro, mais dès qu'on va construire, on va regagner des points, je pense. Construire. Et donc vous voyez, hein, les routes, c'est pas moi qui les construis, tout est organique, tout se fait au fur et à mesure. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'on peut pas zoomer complètement. Moi j'aime bien voir ma ville. Ça c'est un petit défaut ça. Moi j'aimerais bien voir zoomer, voir mes bâtiments, j'aime beaucoup. Donc là, hop, on récolte. Enfin après quand je dis défaut, c'est juste que moi j'adore ça. C'est juste ça. Je suis très mindé par le fait de construire des choses. Certains quartiers sont plus risqués que d'autres et peuvent générer des incendies. Oh là là, j'avais pas vu ! Ah oui, mais là, c'est... Enfin, excuse-moi, mais là, c'est la moitié de ma ville. C'est pas qu'un quartier. Des vols, des épidémies ou encore des agressions. Heureusement, pour votre population, certains incidents peuvent être arrêtés moyennant un certain coût. Là. Arrêtez. Putain, mais ça m'a coûté cher. Débloquer un bâtiment culturel. Ok. Pour qu'une ville perdure au fil des âges, la population doit voir ses besoins satisfaits. Pour ce faire, le meilleur moyen est de construire des bâtiments culturels dont les fonctions satisferont un certain nombre d'habitants. Ok. Alors. Culturel. On a quoi ? Atelier céramique. Dans certaines régions, les qualités artistiques sont si impressionnantes que la céramique font la renommée de la ville dans les mondes entiers.
principalement des vases et amphores. On retrouve également des cruches, cratères, l'outrophore et Haribal. Eh bien, écoutez, on a 200, mais je parie qu'ils nous ont donné encore des points pour le tutoriel. Ok. Donc, l'atelier de céramique. Là, ils me disent de le placer où je veux. Poser le bâtiment et choisir des satisfactions. Construire un bâtiment culturel. Donc ça, c'est culturel. Donc le mieux, c'est de le mettre près des habitations, en fait. Là, ça m'en touche deux. C'est dommage, je peux pas en toucher plus que deux, en fait. Ouais. Ça, en fait, il aurait fallu... Bon, ben, je vais le mettre là, parce que près du camp de bûcheron, ça serait naze. Ok. Atelier des céramiques. Le premier atelier de céramique de votre règne a été construit. Choisissez les satisfactions supplémentaires sur lesquelles le bâtiment doit faire effet. Les valeurs seront fixes pour chaque occurrence de l'atelier céramique. Notez que la force de satisfaction choisie dépend de l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnées. On a soit la sécurité, très important pour le développement de la ville et essentiellement apporté par les constructions militaires. On a un score de 400 à 102. Religieux. Ouais. Créativité. Ça dit que c'est le mieux pour la faire perdurer dans les âges. Validé, écoutez. Hein. Je veux que ma ville perdure, vous voyez. Bam! Nickel. Lorsque le peuple est satisfait, cela attire de nombreuses personnes, dont des vagabonds en quête d'un avenir meilleur pour elles et leur famille. Dans le cas où vos habitants viendraient à manquer de nourriture, diverses famines pourraient survenir. Pour éviter cette situation, vous pouvez améliorer vos fermes existantes pour embaucher plus d'ouvriers, que ces champs produisent plus de nourriture. Alors l'arbre est là. Production. Amélioré, donc ça fait quoi? Abri de plusieurs bâtisses comprenant un entrepôt de nourriture, un enclos. Ok, donc ça améliore. Bam. Donc ça va me permettre d'aller là et de l'améliorer. Mais par contre, il nous faut 100 de bois. Donc là, pour l'améliorer, faut couper du bois, les gars. Je suis à 85, 90 et j'ai un stack maximum. Là, je suis au max. Améliorer. Parfait. Est-ce qu'on va la voir s'améliorer, la ferme? Je veux voir. Ah. C'est amélioré? J'ai pas vu si ça l'avait amélioré, si elle avait une autre gueule. Donc là, c'est nickel. Les bâtiments de service permettent d'accéder à de nouvelles mécaniques de gestion de ville. L'orum, en particulier, permet de garder une attention particulière sur les bâtiments de production, la récolte, la transformation et le stockage de toutes les ressources de ville. Ok, on va voir ce que c'est. Donc on en a plusieurs, hein, vous avez vu. Donc ça, c'est une grande réserve très importante pour la gestion et la survie de la ville. D'accord, donc là, ça va être un hub. Heureusement qu'on nous donne des points. Ça va être le hub de gestion, en fait. C'est là où on va pouvoir tout voir. Par contre, c'est 100 de bois, quoi. Pour le moment, j'ai pas. Parfait. Je vais peut-être pouvoir stocker plus grâce à ça. Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi je peux pas? Ah si, je peux. Donc ça a un effet positif surtout ou pas? On peut le tourner, le bâtiment, ou pas? Non. On peut pas le tourner. C'est plutôt pas mal là. Ici. Et donc là, par contre, on va devoir mettre la créativité encore. Ah, on peut en mettre deux. Donc créativité et sécurité. Bam. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais moi ça me dit bien, ça me parle, vous voyez. Bam. Ouah, il est énorme le bâtiment. Avec la petite route là. Vous voyez le panneau de gestion de ressources. C'est ça? Ah non. Ok, ça m'a ouvert un nouveau panneau ici. La réserve.
Il est primordial de garder un œil sur ses ressources et les différents entrepôts ici. Enfin, les différents entrepôts. Point. Ici, vous aurez accès à toutes vos réserves et aux ressources de la ville. Vous aurez également la possibilité de voir les ressources vacantes ainsi que leur nombre. Donc, on voit le camp de couple, là, ouais. On peut leur dire de faire une pause. D'accord, on peut tout gérer d'ici. Votre ville a un total de 40 bois dans ses réserves. La réserve de bois, elle a augmenté, elle est à 250 maintenant. Tout a augmenté. Donc j'avais raison. J'aime bien comment on voit en fait. Si je vais là-dessus, ça me fait un petit descriptif. J'aime bien. J'aime beaucoup en fait. Parce que ça te rattache à l'univers. C'est trop bien ça. Ça par contre, les aides de jeu, elles sont bien. Hein, on est dans le tuto, mais si je pouvais les enlever... Ou au moins les baisser, ça serait bien. Quand des quartiers sont assez peuplés, des factions viennent s'installer et y représentent les habitants. Les factions donnent des avantages significatifs dont les principaux sont la génération de points de culture et la possibilité de payer des taxes. Nous devons attendre d'avoir un quartier assez peuplé pour intéresser une faction. Sélectionner la bulle colorée au-dessus du quartier ou attendre la fin du décompte. Non, je clique dessus, moi. La sodalité de Mitra et toi pas. Ok. Dido. Ouah, la chanteuse. Oh non. Elle va venir. Depuis plusieurs cycles déjà. Les sodalités de Mitra, ce groupement secret dédié au dieu éponyme, est reconnu pour les artisans talentueux qu'ils abritent. Ah ben ça a dû leur faire plaisir. Là, il y a le. Non, c'est ici derrière. Là, il y a le truc en céramique. Les hommes qui le composent créent de véritables merveilles à partir de matériaux bruts. La faction produit ses différentes ressources tous les cycles. 5 points de culture, ça va me les donner là, j'en ai 0. Entre 0 et 1, selon la... Putain, c'est pas beaucoup, hein. Par contre, on a 25 d'influence culturelle. Ouais. Cette faction apprécie corderie et atelier de céramique, je m'en doute. Eh bien écoutez, elle déteste la cave d'exercice et la bibliothèque. Ah ouais, et quand même pour des gens qui veulent créer des choses, ils aiment pas les bibliothèques. C'est bizarre. Bon bah écoutez, c'est fait. Hein. Donc là, en fait, c'est ici. L'influence culturelle. Chaque point gagné augmente l'influence culturelle. Ouais. Production, militaire, religieux. Nous, on aura la production. C'est là où je vous dis, ça on pourrait, ça serait bien de pouvoir le baisser. Parce que vous voyez, c'est juste chiant. Ça m'embête. Si je veux voir le tutoriel, j'irai le voir, tu vois. C'est que là, moi, si je veux lire mes trucs, je vois rien derrière. Bon, c'est pas grave. On est à mot, diminution des plans nécessaires pour le déblocage de merveilles de 0%. Ah oui, d'accord, ok, on a les bonus de confiance. Ok, donc ça, c'est pour notre première... pour l'antiquité, en fait. Ok, et après, on passera au prochain stade. Investir 20 points en culture. Est-ce qu'on peut les... Ah, c'est là qu'on les investit ici. Non, attendez. Si, c'est là. Mais pourquoi ça me dit en culture? Il n'y a pas écrit culture. La façon dont le monde perçoit vos actions peut influencer le cours de votre histoire. Plus votre influence culturelle est élevée, plus vous débloquerez des bonus dans la festation. Investir 20 points de culture. Ah non! D'accord. C'est à nous de les... C'est des points de culture et c'est... on les investit où on veut. D'accord, ok. Ouais. Je les investis comme je veux, hein, de toute façon. On voit combien il m'en reste de points ou. D'accord, ouais, il m'en reste. Je veux voir combien il en reste. Ah! D'accord! On les a là en fait. Regardez.
Je croyais que c'était 20 points max, en fait. Ou un truc comme ça, un truc du genre, quoi. Comme des points de compétence. Donc on a 45, 10, 10, 10, ok. Le codex est accessible n'importe quand, le fonctionnement du jeu. Oui, non, mais le codex, c'est ça, oui. Mais je l'ai vu. Je l'ai vu déjà. Fin du tutoriel. Ok, ok, ok. Alors là, j'étais en train de réfléchir. C'était le tutoriel, ça nous explique. Là, on va se lancer dans le vif du sujet, tout seul, comme un grand. Est-ce qu'on a une gestion de début de partie ou on peut choisir... Ah, notre destinée. Ayant quitté vos terres ancestrales pour bâtir votre propre cité, quel avenir vous attend? Donc, les artisans, ils sont ceux qui voient la nature comme source de création. Ils n'ont pas peur de s'abîmer les mains. Donc on a plus 25... les ressources naturelles sont 25% plus abondantes. Les commerçants. Donc là, grâce à l'import et l'export, les commerçants développent un lien continu entre les peuples des différentes cultures et civilisations. Les routes commerciales continuent de générer un revenu passif lorsque les caravanes voyagent. Nous avons le militaire, le stratège. Cette vocation se porte sur la sécurité de son peuple, quitte à vivre au détriment de la sienne. Les incidents ont 20% de moins. Ah, ok. On a le politicien. Les politiciens doivent montrer l'exemple et fédérer son peuple. Plus ses opposants seront nombreux, plus fort sera son succès. Il est possible de passer 2 décrets supplémentaires. Ok. Le philosophe. Et comme je dirais toujours, la poule philosophe. Voilà, merci. Comprendre les mystères de l'existence nécessite le dévouement de plus d'une vie. Les bâtiments culturels, 10%. Oh, ok. Les prêtres dédient sa foi à autrui. Que ce soit assez semblable aux puissances supérieures auxquelles ils croient. La population fait régulièrement des offrandes. Ouais, ouais, c'est bien, hein, mais les ressources naturelles, ça, c'est pas mal. Hein. On commence par eux, écoutez, hein, les ressources naturelles, par un truc de base. Cité. La Kim City. Voilà. Prénom. Alors, attendez. On voit pas, merde. Pixel. Du nom Rampage. Voilà, merci. Ah ouais, le blason. Ça déconne zéro. Hein. Par contre, c'est moche. Voilà, ça c'est mieux. Ça c'est moche. Ça fait soleil levant. Oh. Attendez. Oh là 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 là. C'est dommage, on peut... Non, non, comme ça, ouais. Oh là là. Ouais, ça, ça fait un peu secte, hein, quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, l'amphore, voilà. Ça, c'est parfait. Couleur. Validé. Après, on peut gérer, mais là, ce sera nickel pour la présentation. Parfait. Validé. Donc... qu'est-ce qu'on doit faire là? On doit... ah, c'est à nous de nous poser. Ouah, la carte, elle est immense. Enfin, je crois que... Je sais pas si on peut aller plus... on peut aller là. Peut-être que c'est dans d'autres... on va dire dans d'autres... âges, peut-être. Bon, bref. C'est quoi, ça? Ça, c'est stylé, ici. Hein. Genre, je peux me mettre au milieu. Ça serait cool. Donc là, on a des ressources. On a pas mal de choses. La plaine est bien. On se met sur la plaine. Construire. Début de l'Antiquité. Votre famille s'est appropriée ces terres fertiles et accueillantes. Libre de votre destinée, c'est le début de votre dynastie. À partir d'un simple camp, il faudra développer une cité autonome qui récolte ses propres ressources à une économie florissante qui attire d'autres citoyens pour traverser les âges. L'objectif ? Que cette future ville devienne de première importance à l'échelle mondiale. Mais attention, votre temps est compté. Ah bon? Genre comme le fromage? C'est genre le mec trop con, tu sais. Alors, le village devient indépendant petit à petit. De nouvelles familles s'installent, mais il va falloir s'organiser pour ne pas que la place centrale devienne un lieu de chaos. Améliorer son centre-ville en fera un lieu plus officiel et respecté. Obtenir les conditions préalables à la mise à niveau du centre-ville vers camp antique optimisé 2. Il nous faut quoi? Du bois, de la pierre et surtout de la bouffe. Alors, on va se servir du tutoriel. Déjà, je vais faire une petite ferme.
enfin même deux petites fermes. Là. Enfin, avant de faire une autre ferme, je vais faire un camp de coupe. Ce qui est dommage, c'est que le camp de coupe, ouais, bah, le bois, il n'y en a pas beaucoup. Je vais le mettre ici. Voilà. Avec la petite carrière, là, je peux. J'ai énormément de... sur quoi devraient se concentrer les travailleurs ? La pierre. Et je peux pas faire d'autres fermes. Bon, eh ben, grouillez-vous, les pécores, grouillez-vous. Donc, vous voyez, hein, c'est organique. Hein, ça se construit tout seul. Et ça, j'aime beaucoup. Je vais faire une deuxième petite ferme qui va être là. Voilà. Parce que c'est une astuce des développeurs. Pour éviter la famine, il vous faut deux fermes de 10, je crois, de mémoire. Je regarde. C'est une astuce. Construisez deux fermes avec 10 camps pour éviter la famine. Ok. Bon, on va voir. Hein. Ouais, il est en train de faire des spirales. Ah non. 3, 4, 5. Je sais pas si je vais avoir assez. Hein. 6. 7. Les articles sont passés. Vous avez désormais assez de citoyens et de ressources. Ouais, t'inquiète pas. Que ça s'améliore. On va l'améliorer, comme ça on verra. Amélioration acceptée. Ce que je veux voir, c'est le cercle, comment il va s'agrandir. Alors, vous avez maintenant accès au bâtiment culturel, atelier de céramique, arena, c'est quoi, Easculapium ? C'est un lieu où se mêlent parfois des charlatans et parfois des sauveurs. Ok. Centre d'Agogé, ok. Alors déjà, on va se calmer, on a plein de trucs à faire. Débloquer un bâtiment culturel. Ah oui, on en a plusieurs. Mais bon, le truc, ça serait quoi ? L'éducation ? Je regarde combien ils me coûtent tous. Ah oui, mais attends. J'ai combien de points ? Deux. Ah oui, ouais, d'accord. J'avais pas vu. On va faire un centre... Ah, quoique, non, nous, on est les producteurs, donc c'est le mieux, c'est ça. Voilà, on va prendre ça. On est des producteurs. Il faut qu'on arrive à gérer. Ah oui. Ah oui, toutes les améliorations. Cabinet d'architecte aussi, il va falloir le faire. Parce que ça va me permettre de produire des plans. Je vais le mettre où ? Ici ? Allez, on le met ici. J'espère que je vais avoir d'autres... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, j'ai deux camps de 10 de bouffe. Normalement, ça devrait aller. On a le camp d'architecte qui a été mis. Donc, normalement, on en a qui arrivent. Mais c'est dommage qu'on voit pas ici. Mais bon, c'est pas grave. Optionnel, une terre attractive. Les nouveaux habitants préfèrent vivre dans les endroits attractifs. Ok, visualiser la zone d'attraction. Mais ça, on l'avait déjà fait. Ah, ça génère une zone attractive, ça. Si tu veux que j'en produise, l'atelier de céramique, qui lui... Ouais, par contre, j'ai pas beaucoup de place. Hein. Ouais, c'est là où on va devoir gérer. Hein. Je préfère de la bouffe à... Construire. Et créativité validée. On va pouvoir même, je pense... Je
train de regarder. J'ai déjà des points. Hein. Les points de culture produits par vos factions peuvent être transformés en points d'influence. Ainsi, vos citoyens deviennent un outil pour monter. Ouais, trop bien. Plus on les améliore et... Ok. Je sais pas si c'est bon de tout mettre, hein, mais moi, je préfère les investir. Voilà, comme ça, pas de soucis, on les perd pas. Investir. Eh ben oui, ben il faut, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. Ok. Alors, pour des zones attractives. Par contre, ce qui serait bien, ça serait améliorer ça, quoi. Je vais améliorer mes petites fermes. Et je parie qu'il va falloir que je les améliore un à un, toutes. Ah, la coupure du bois aussi, s'il vous plaît. Ça va peut-être me créer une autre zone. Avec un peu de chance. Bingo, ça l'a fait. Vous avez maintenant accès au bâtiment service Aurum. Ça va être très bien. Macellum est un grand marché centre commercial d'une ville. Ses emplacements sont limités, mais il joue un rôle important dans la vie des citoyens, car c'est là où l'on peut se fournir en nourriture et produits exotiques. Ça nous fait des réserves, et l'autre, ça nous fait des routes commerciales. Alors, attendez! C'est quoi tout ça? La sécurité est pas mal. La satisfaction est très bien. On a une bonne santé. L'appartenance, bon, pas trop. L'estime, pas trop, mais ça va monter. La créativité, bien entendu, est à fond. La coupe. Hein. Débloquer. La ferme, on a débloqué, ça? Oui. Oui, oui. On n'a plus le cadenas derrière. Ok. La carrière. Voilà, déjà, on va s'occuper de tout ça. Et on améliorera au fur et à mesure. J'ai pas assez. Ah. Des travailleurs. Les travailleurs sont indispensables pour construire et faire fonctionner. Ah, ben voilà, attendez. Hop, amélioration. Il me faut mes travailleurs, là, les gars. Il faut que vous veniez. Parce qu'en fait, je vais les améliorer pour qu'il y ait plus de gens qui bossent dedans, en fait. Voilà, c'est amélioré. Et l'autre, il faut que je l'améliore aussi. Génère une perturbation de 500. Ouais, ouais, je sais, mais bon. Il faut que j'ai de la bouffe, hein, les gars. Je peux pas non plus... Il y a des ruines, là ? On peut les réparer aussi. Amélioration, améliorée. Après, je vais améliorer ça. Et normalement, améliorer le cabinet d'architecte. Le jeu est bien. Bon, il y a 2-3 trucs forcément comme ça, là. Ça, c'est... Oui, c'est... Barrez-vous, quoi. Enlevez-moi ça. Je sais pas, il y a peut-être une touche pour l'enlever. Non, les aides du jeu sont là. Non. Ça me le met pas. Ok. Donc, comme je vous dis, hein, le jeu est en early access. Donc, ça s'améliorera au fur et à mesure. Camp de coupe. Hein. Amélioré. On va tout améliorer. Vous avez maintenant accès au bâtiment de production, sculpteur et menuiserie. Vous avez également accès à la construction de remparts. Ouais. Mais déjà... Ah, ça. Accepté. On va le faire au fur et à mesure. Déverrouiller le bâtiment Macellum. Sectionner les centres-villes. Construire un rempart. Ah, on peut. C'est ça? Ah ouais! Et là, vous voyez, c'est un peu chiant. Proximité. Ah, d'accord. Ah oui! Dès que je peux. Ouais, je le ferai. Je le ferai dès que je peux. Mais avant... Ouais, la statue.
des fondateurs, ça déconne zéro. Donc là, les factions, on a la sodalité de Myrmidon. Voilà, et c'est ce qu'on a vu. Plus vous taxez en Myrmidon, ben... ouais, mais non, mais c'est... on peut, genre... on peut pas... ok, bon, mais tant qu'ils font, pas nawak, ils vont rester là. Ils me donnent un peu de la thune, donc je vais pas chialer non plus. On verra pour le commerce. Quoique, moi, ce qu'il me faudrait, c'est... c'était quoi? C'est peut-être pas culturel, c'est production, non? On a débloqué pas mal de petits trucs. Voilà, c'est un service. Accepté. Il me le faut. Mais avant, faut que ça s'améliore. Ah, il nous faut des poutres en bois, on les a pas. Il nous faut une menuiserie. Il nous faut de l'argile aussi. Donc il va me falloir une production. Ah mais lui, il fait pas d'argile. Ah 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 ah. Construire. Valider. Yes. J'ai bien fait de regarder. Par contre, c'est magnifique là, avec les deux rosaces là. Oh là 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 là. Et là, c'est magnifique aussi. Je sais pas ce qu'il y a là, c'est hyper sombre mais... allez, s'il vous plaît, il me faut de l'argile. Il m'en faut. Pour faire ça. Il m'en faut 150. Et ça bosse, hein. Ça bosse de dingue. Comme ça, après, on a encore plus de bois. Et je peux faire mais, ma grosse muraille de Chine. Ça pourrait être pas mal, hein. Je sais pas à quoi ça sert, ça. On a plein de points. Enfin, pas beaucoup, mais plein de points quand même. alors. Ouais, et je peux pas le tourner, c'est ça le pire. Sécurité, créativité. Ça se trouve, c'est naze hein, ce que je fais. Hein. Mais bon, écoutez. Hein. On s'améliore au fur et à mesure. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La réserve, voilà. Et là, on voit les ressources transformées. On voit autres, les plans. On voit tout ce que j'ai pour le moment. Quelques pierres précieuses, non, même pas. J'en ai même pas. Mais bon. Déjà, c'est pas trop mal. Ouais, mais là, le problème, c'est que c'est... il faut qu'on améliore, là. Il faut quoi pour l'améliorer? Il me faut des poutres en bois. Je vais pouvoir faire ma muraille. J'ai envie de la faire, juste pour le lols. Mais il me faut des poutres en bois. Production. C'est un sculpteur? Non, c'est la menuiserie qu'il me faut. Je vais avoir la place. J'aime bien ce côté un peu organique. Je vais le mettre juste à côté parce que ici, on a le camp de bûcheron. Ah non, c'est une petite carrière. Il est où le camp de bûcheron? On n'a pas un camp de bûcheron quelque part? Ça se trouve, je l'ai mal mis. Il est là-bas! Mais non! Bon, c'est pas grave. Elliot est aux portes de votre ville. Les Elliot sont des citoyens libres. Ils n'ont pas de dirigeants, mais Théron les représente régulièrement. Ces travailleurs sont renommés pour la connaissance pointue en agriculture, en production alimentaire. Ils arrivaient à nourrir entièrement les années. Eh, mais ouais, de fou. Bah ouais, on les accepte. Ça m'en fait deux, normalement.
Ça va, ils s'aiment bien. On a moins de confiance avec eux. Ouais, mais ça va augmenter, vous inquiétez pas. Il nous en faut 56. Après, je dis pas, mais je peux améliorer la menuiserie. On est à combien 2300, ouais. On pourrait l'améliorer. Comme ça, on serait directement débarrassé de ça. Voilà. Donc, elle est ici. Il nous faut de l'or. C'est de l'or ou des pièces d'or? Non, c'est de l'or, ouais. On n'a pas. Bon. Allez, dépêche-toi. Oui! Amélioration acceptée. Allez! Je veux que ça s'agrandisse, s'il vous plaît. Et ben voilà. Vous avez maintenant accès aux bâtiments de production, tuileries, briqueterie, la nécropolis, espace minéraire. Ok, à pas mal de choses. Mais... Ouah la vache! Ce bâtiment de fou! Mais moi, je veux fortifier la ville avant. Pour le Lulz. Qu'est-ce qu'il y a? Agression a lieu. Dème de Mégare est aux portes de la ville. Oh, ils ont l'air pas mal, là. Allez, vas-y, on les accepte tous. Ah, la menace de la Macédoine. Un émissaire vous apporte une lettre du roi de Macédoine qui souhaite conquérir des territoires pour accéder à la mer Égée. Il envisage d'assiéger Amphipolis et les cités grecques voisines et voit en vous un allié clé. Vous avez les soldats nécessaires et la cité grecque ont des ressources convoitées, mais affaiblir ces villes pour les exploiter pourrait être néfaste sur le long terme. Vous pourriez aussi chercher du soutien politique et religieux pour modérer les ambitions du roi. Oh, tu vas me dire, moins 20 de nourriture, on en a 2000 et quelques. Validé. Hop. Bon. Je veux absolument. Voilà. Il faut 28 tours. J'en ai rien à foutre. Je veux mettre mes remparts, s'il vous plaît. Je veux fortifier ma ville. J'ai le droit, s'il vous plaît. Événement en cours. Ouais, bon, c'est pas bien grave. Hein. Regardez, hein. Ça m'a rien fait. Hein. Oh, ça va être magnifique. Regardez. Ça va être fait. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? Eh ben, il a brûlé. Ça leur apprendra, tiens. Mais arrêtez de brûler! C'est combien, ça? Ça coûte cher. Bah, cramé. Mais ils veulent quoi comme satisfaction? Ils ont l'air bien, non? Oh, bah, je vais être ça, là. Calmez-vous, regardez. Regardez ce qui arrive. Bon, il arrive trop tard, mais voilà. Oh là là, avec ma muraille, trop bien. Réparer. Je sais pas à quoi ça sert, mais je répare, moi. Je garde tout. J'accepte. Par contre, ça brûle dans tous les sens. Hein. Je sais pas ce qu'ils veulent. Ah, des bâtiments culturels. Ah oui, oui, non, mais je veux bien, hein, mais... On accepte tout le monde, nous. Jamais, ils veulent des bâtiments culturels, mais moi, j'ai de la bouffe partout, les gars.
peut-être en mettre là. Je peux leur mettre un colisée au pire, ou un théâtre. Une arène au pire. Allez, une arène. Ils vont être contents avec ça. Mais il me faut du bois, j'en ai plus. Voilà, une belle arène. Bam, construire, déjà, ça c'est mieux. Santé. C'est le merdier, ça crame dans tous les sens. Mais j'ai rien pour leur éviter de... Bah oui, bah ça vous apprendra à vivre. Voilà. C'est que j'ai pas assez. Il va me falloir plus de bois. Hein. Ok. Notre cité est pas mal quand même. Hein. Ça a l'air complexe hein, parce que t'as pas beaucoup de place et tu peux pas tourner les bâtiments. C'est spécial quoi. Et t'as pas trop de... Alors, t'as une visibilité dans l'ensemble mais tu peux pas zoomer plus que ça. C'est un peu dommage. Je le redis hein, mais c'est plus... Oh ! La vache, c'est quoi ça ? Débloquer un bâtiment qui augmente la satisfaction appartenance. Alors, je veux bien. Mais... Ça te dit pas lesquels... Permet de passer les décrets. De vendre. Ouais, on pourrait faire ça. Mais j'ai pas d'or. Ouais. Eh ben, on va essayer de se démerder. Ça brûle, hein. Ça brûle alors que juste à côté, il y a ça. Une satisfaction trop basse. Ils sont sérieux là ? À me péter mes affaires là ? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de dingue. Qu'est-ce que c'est ? Allez, on les accepte. Je sais même plus à combien on est de factions. Regardez. On en a plein. S'il y en a un qui fait chier, il dégage, hein, je vous le dis. Bon, ça nous fait de la thune hein, au moins. Et bah là on a le bois qui arrive. Non mais c'est une dinguerie. Et vous voyez, je peux rien construire en fait. Bref, j'espère en tout cas que ça vous a donné envie de découvrir Memoriapolis. C'est un jeu excessivement long où vous allez devoir gérer votre ville au cas par cas, essayer de voir, de faire plusieurs essais. Je pense que c'est pas en un essai, hein. Je pense qu'il en faudra peut-être une vingtaine d'essais pour à peu près appréhender le concept du jeu. C'est vraiment cool, en vrai de vrai, c'est vraiment cool. Même s'il y a 2-3 petits trucs voilà, que j'ai noté. En dehors de ça, c'est une toute petite équipe. Je vous le redis, hein, il sort le 29 août, donc demain, sur Steam. Tout est en description de vidéo. C'est une early access, donc il y aura des mises à jour. Il sera peaufiné, mais quand même, il y a du potentiel. Et un jeu Puzzle City, où il n'y a pas de guerre, où c'est vraiment à vous de tout gérer, j'aime vraiment ça. En vrai de vrai, j'aime vraiment ça. Pour l'heure, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie tous de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut tout le monde.